Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. On va voir un petit peu ce qui arrive pour vous dans les prochaines semaines. Moi, alors, on parle d'humilité et d'amour inconditionnel. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on nous parle de rêve, d'hérédité. Qu'est-ce que c'est ça encore? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Bon, on vous parle d'éternel recommencement. On vous parle d'une situation qui se répète en permanence. Bon, on va essayer de voir. D'accord, très bien. On vous parle de la femme sorcière. On vous dit « je suis ». Très bien. Bon, qu'est-ce que c'est cette histoire encore? On n'aime pas les éternels recommencements. Ça nous épuise. Alors peut-être vous étiez dans un schéma répétitif. Alors, on parle de fécondité. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Je pose et je vous dis tout. Oh, de jalousie. Eh bien, dites donc. De cadeaux. De temps. Ah, d'accord. Attendez. Ouais, ok, j'ai compris. Vous voulez mettre en place un projet. D'accord? Qui crée beaucoup de jalousie autour de vous. Ok? Raison pour laquelle on me dit ça a pu prendre du temps pour se mettre en place, ce truc-là. Parce que vous avez choisi de mettre en place quelque chose. Sauf qu'avec le boomerang, il y a une situation qui revenait tout le temps. Vous foutez le bordel dans votre vie. D'accord? Dans le but, justement, que vous n'accédiez pas à ce projet. Que vous ne puissiez pas le mettre en place, ce projet. Et pour foutre en l'air votre stabilité. Voilà. Quelqu'un avait intérêt à ce que votre projet ne se mette pas en place. D'accord? Donc, quelqu'un pouvait revenir tout le temps dans votre vie pour que vous n'accédiez pas au bonheur. Sauf que, t'as pas de bol. Parce que vous êtes en train d'ouvrir la porte de votre destinée. Ok? Eh ben, dis donc, Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Attendez. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi j'ai la culpabilité sur le cadeau, là? Oula. Bon, alors moi, j'ai l'impression que... On l'a vu, Quelque chose revient, ou plutôt quelqu'un. Moi, je vois bien quelqu'un avec deux bras, deux jambes, et la tête dans le guidon. Bon. Alors. Oui, je sais. On vous ramène cette personne comme un cadeau. Parce que peut-être aujourd'hui, vous avez les compréhensions que vous n'avez pas eues par le passé. Et que vous avez compris le petit manège de cette personne-là, Donc, on vous ramène quelqu'un. Voilà, après, vous voulez pas, c'est à vous de voir. Dans le but de discuter avec cette personne et peut-être de mettre cet individu devant ses responsabilités. Ah oui, Et on vous dit,
c'est une chance parce que ça va vous créer une sorte de déclic pour aller et vers le changement et vers la naissance de quelque chose de nouveau. Je vous dis bien, il y a bien de la correspondance avec quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos, voire plusieurs même. Voilà, hein, qui a mis de l'instabilité dans votre vie, qui a... Bon. Voilà. Très bien. Et ensuite... Alors, ok. On vous dit que cette situation est en lien avec votre karma. Bon. Alors, est-ce que vous aviez une dette karmique à régler avec quelqu'un? C'est possible. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette situation, s'il vous plaît? Alors, attendez, j'ai le karma, j'ai les talents. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur cette situation-là? Oui. Alors, moi, je crois que quelqu'un en face de vous a vu votre potentiel. Oui. Sauf que quelqu'un vous a mis dans une forme de servitude. D'accord? Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est de mettre en avant dans cette situation, hein, par rapport à des messages ou une conversation, une discussion, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein, mais on vous donne la possibilité de dire ce que vous avez à dire, de mettre les choses au carré avec quelqu'un et de faire comprendre à cette personne que peut-être qu'avant, vous étiez naïf et naïve. Bah, ça, c'était avant. Voilà. Aujourd'hui, vous avez compris un certain nombre de choses par rapport à cette situation. Peut-être même que vous êtes sorti de l'illusion et que vous avez grandement ouvert les yeux. D'accord? Et donc, j'ai l'impression qu'on vous ramène une situation comme un cadeau. Ce qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Parce que peut-être vous êtes coincé dans une situation. Et vous n'arrivez pas à avoir l'impulsion pour aller de l'avant. D'accord? Là, on parle du masculin sacré. Donc, on vous dit de mettre en avant votre masculin sacré. Hein, votre côté plus actif. Hein, peut-être... vous allez être moins dans l'émotion. Hein. Voilà! Ah bah j'ai les deux, ok super, ah bah alors ça c'est chouette. Parce qu'en fait ce qu'on est en train de vous dire, j'ai le féminin sacré, le masculin sacré, c'est que vous vous êtes rééquilibré. Donc au moment où quelqu'un va revenir, vous vous êtes équilibré dans votre vie. Ah bah évidemment c'est toujours à ce moment-là d'ailleurs que les gens reviennent, je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, vous vous êtes équilibré. Vous allez vers la prospérité, hein. Ouais, vous allez vers la prospérité. Qu'est-ce qu'on peut me dire là, s'il vous plaît? Alors, vous vous êtes équilibré et vous écoutez beaucoup plus votre enfant intérieur. Voilà. Vous êtes beaucoup plus en connexion avec vous-même, à l'écoute de vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et même pour certains, on me dit, vous avez la capacité de manifester. Hein. Voilà, de manifester. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Bon, bah ok, on a compris que quelqu'un revient. Très bien. Vous voyez, on vous dit que vous avez la force de rebondir sur une situation. Et de foncer. C'est comme si la vie vous ramenait une espèce de... une possibilité de revanche. Je dirais pas de vengeance, hein. C'est pas le terme exact. Mais de revanche par rapport à une situation qui a été très défavorable. Hein. Vraiment très défavorable. Où vous aviez une personne en face de vous, jalouse, hein, qui
qui voulait pas votre bonheur, visiblement. C'est incroyable, ça. Qui voulait votre perte. Non, je rigole parce que vous allez peut-être d'ailleurs signifier à cette personne que vous êtes bien au courant, qu'elle a juste souhaité votre perte. Je pense que vous allez déstabiliser quelqu'un. Et là, on vous dit, cette situation va vous permettre de vous délester du passé. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle de guérison. On vous dit de vous délester du passé pour mieux être sur votre instant présent et pour pouvoir regarder librement l'avenir. Là, pour moi, vous vous délestez d'une situation qui vous a pesé lourd. Ou vous êtes resté peut-être dans une forme de servitude. Parce que moi, j'ai l'impression que vous n'aviez pas conscience de vos capacités, hein, de votre potentiel, de qui vous êtes, quoi. Hein. Donc, vous avez laissé une personne, voire peut-être même plusieurs, hein, vous trimballer, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Cette personne, on vous dit. C'est pour ça, faites attention au retour. Parce qu'on vous dit, cette personne vous met dans la stérilité, en fait. Cette personne vous vend du rêve. Je te vends du rêve. Elle en a pas un échantillon sur elle, hein. Voilà. Voilà. Bon. Donc, on vous dit attention. Parce que si vous retournez avec quelqu'un, on vous dit cette situation n'a pas d'issue. Restera stérile. Il n'y a pas de changement. D'accord ? Et ça va vous empêcher d'aller vers votre plénitude. Et c'est quelqu'un qui va vous mettre encore dans une insécurité. Ok ? Alors, attends. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Eh ben voilà. Correspondance. Sauf qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas peur. Aujourd'hui, vous avez... compris de votre passé, vous avez appris de votre passé, vous n'êtes plus les mêmes personnes. N'ayez pas peur d'affronter quelqu'un. N'ayez pas peur. À cette époque, vous étiez plus dans la servitude, hein, dans la dévotion. Mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Puisque, bon, on l'a vu, féminin sacré, masculin sacré, vous vous êtes rééquilibré. Et aujourd'hui, vous écoutez votre enfant intérieur. Donc, j'ai envie de vous dire... Personne ne peut vous faire peur, hein. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va essayer de venir vous déstabiliser de nouveau. Ça a pu marcher, hein. Ça va pu prendre, hein. Et on parle bien d'une personne, oui, qui est jalouse de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a perçu vos capacités depuis le départ, hein, qui a vu votre valeur, qui a vu votre potentiel et qui a essayé de vous écraser. Ah, tout simplement. Alors, oula, excusez-moi. Bon, et ben voilà. Voilà la personne. On parle bien d'une polarité masculine. Ah, attendez là, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Alors, moi, j'ai l'impression que face à cette correspondance, hein, vous allez choisir votre tranquillité. Voilà, simplement. Ouais. Vous allez choisir votre tranquillité. Alors, vous verrez, hein. Vous avez la possibilité de pouvoir dialoguer avec quelqu'un. Si vous n'avez pas envie de le faire, bah vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Voilà, chacun prendra les décisions qu'il ou qu'elle veut. Alors, attendez. Alors, on me dit que vous allez, dès lors que vous êtes dans votre tranquillité, dans votre paix intérieure, vous allez vers vos rêves.
Mais moi, j'ai l'impression... Alors, vos rêves sont en lien avec la famille. Alors, ou parce que vous voulez construire une famille et on vous dit avec cette personne-là, c'était pas possible. OK ? Puisque vous pouvez pas évoluer dans un couple où une personne se sent en concurrence avec vous. Non. Ça n'est pas de l'amour, ça. Voilà. Hein ? Ou bien, on vous dit que vous allez vous connecter avec des gens identiques à vous, entre guillemets, je me comprends, mais en tout cas avec des valeurs communes. Dans tous les cas, on vous parle d'évolution. Hein. Oui. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Parce que effectivement, on vous dit, il y a eu de gros effondrements hein, dans votre vie, et vous avez travaillé. Alors, il y a eu des effondrements peut-être en lien avec quelqu'un, mais vous ne vous êtes pas... Vous avez pris votre part de responsabilité dans cette situation. Vous ne vous êtes pas victimisé. Hein. On vous parle d'un enfant intérieur que vous avez retrouvé. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que précédemment, dans une situation, peut-être vous êtes énormément projeté avec quelqu'un. Vous avez fait des plans sur la comète, etc. Bon, on l'a vu, quelqu'un vous a vendu du rêve, hein, peut-être. D'accord. Et puis, pouf, ça s'est cassé la figure comme un soufflet. Ça a monté, 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 et pomme. Vous voyez? Moi, j'ai quand même le sentiment que quelqu'un a eu la volonté. Eh ben, de foutre en l'air vos rêves. Voilà. Par jalousie pure. Par méchanceté pure. J'ai pas de mots, hein. Je peux pas vous dire autrement. Très bien. L'heure de la revanche a sonné. Non mais je rigole. Alors, vous savez, je vais vous dire, dans ce type de situation, quand quelqu'un vous a blessé, fait du mal, volontairement, dans vraiment le but de vous descendre, parce que une personne a reconnu votre valeur, mais étant dans l'incapacité elle-même de sortir de sa zone de confort, a préféré vous mentir, vous trahir, vous écraser, vous réduire à néant. La plus belle revanche que vous pouvez avoir, je ne parlerai pas de vengeance, je n'aime pas le mot vengeance, c'est de réussir votre vie. Et l'univers se chargera de faire en sorte que cette personne voit votre réussite. Voilà, voilà! À bon entendeur! Bon! Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ouais, on vous parle de transmutation. On vous parle de transformation. De transmutation. Et de prospérité. En fait, c'est peut-être ça. On vous parle de votre défi. Peut-être que votre défi, c'est de transmuter de la colère, de la peur, de transmuter quelque chose, de transformer quelque chose qui va vous amener à la prospérité. Qui va vous amener à la prospérité. Peut-être qu'on vous demande, c'est de transformer ces émotions que vous a fait ressentir cette situation. Alors, ces émotions dites négatives, moi je les trouve pas négatives du tout, je trouve qu'elles sont très utiles, au contraire. Voilà. Mais pour moi, on vous dit de transformer tout ça. Ça n'est pas parce que par le passé, vous avez vécu des situations avec des gens tordus, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, avec des gens tordus, que ça va se reproduire. D'accord ? Donc on vous dit de vous délester du passé. Vous êtes tombé sur une personne complètement immature, qui n'a pas confiance en elle, et qui du coup a projeté sur vous ses propres dysfonctionnements. C'est pas votre problème, ça. C'est son problème à cette personne-là. D'accord ? Donc alors attention, quand elle va communiquer, elle va peut-être essayer de dire « Oui, mais alors tu sais, c'est ta faute, mais c'est parce que c'est toi, mais c'est pas... » Bon. Alors là, je vais vous dire, elle va être bien reçue. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, transmutez tout cet émotionnel-là. Transformez-le. Transformez-le en un carburant qui va vous permettre d'avancer. Ne restez pas coincé. Voilà. Pourquoi ? Parce que, voyez,
le fait de rester bloqué peut-être dans quelque chose, hein, d'être dans une forme de rumination peut-être encore, ça vous fait perdre de l'énergie. C'est ce qu'on vous dit. Ah, c'est ce qu'on vous dit. Et puis on vous dit surtout, ne donnez plus votre énergie à n'importe qui. Hein. Voilà, donnez votre énergie à des personnes qui sont dans l'équilibre, qui sont dans le partage. Les gens qui viennent vous prendre, profitez de ce que vous leur donnez, c'est fini. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Sortez de tout ça. Ouais. Et on vous dit, et je sais que c'est pas facile, on vous dit d'être dans le non-jugement de l'autre. Ok ? De comprendre que bah, si une personne s'est comportée comme ça, c'est en lien avec ses problématiques, son fardeau. Mais c'est elle que ça regarde, pas vous. Alors je sais que c'est pas facile. Au début, on crie « Vendetta !» Voilà. Voilà, c'est normal, ça fait partie du processus. C'est-à-dire, quand une personne nous blesse, c'est pour ça, moi, si vous voulez, le côté, oui, hein, restons bienveillants dans la bienveillance, oui, ok. Mais sauf que c'est tout à fait humain et légitime, au départ, quand on a subi des trahisons, d'en vouloir à l'autre. Et de ressentir des sentiments très négatifs. Dire, voilà, moi, je trouve pas ça anormal. Par contre, ce qui devient anormal, c'est de rester là-dedans. D'accord ? Et de ne pas passer la seconde. À un moment donné, il faut passer la seconde. Et il faut avoir la compréhension. Et ces compréhensions-là, on les a lorsqu'on prend ses responsabilités, qu'on comprend pourquoi on est tombé dans un traquenard pareil. Parce que forcément, on a une part de responsabilité là-dedans. D'accord ? On a laissé l'autre prendre le contrôle de notre vie. On a laissé l'autre nous driver, nous diriger. On a laissé l'autre faire, alors que probablement, les red flags, on les a vus. Mais on a fait comme si on ne les voyait pas. Donc, on a notre part de responsabilité. Donc, à un moment donné, face à une situation, pour pouvoir bah, la dépasser, il faut sortir du ressentiment. Il faut sortir de tout, voilà, de tout ce négatif qui nous empêche à un moment d'avancer. Alors, c'est utile un temps. Mais à un moment donné, il faut les dépasser et avancer. Raison pour laquelle on vous parle de non-jugement. Hein? Bon. Alors, peut-être le non-jugement, il est de comprendre que bah, les gens portent des masques. Et j'ai envie de vous dire, de base, on porte tous des masques. Parce que... Donc oui, effectivement, il y a des choses à dire là. Petit chakra de la gorge qui est bien bloqué. On porte tous des masques. Vous, moi, tout le monde porte des masques à la base. Hein, dans le but de se protéger. Dans le but de se faire valider. Dans le but de se faire aimer. Hein. Et donc, on vous parle de non-jugement dans le sens où vous comprenez que bah, vous aussi, vous avez porté des masques. Donc, vous comprenez pourquoi d'autres personnes portent des masques. Après, vous faites le choix d'être dans votre authenticité, tout le monde ne va pas faire le même choix que vous. Des personnes ne vont pas vouloir être dans l'authenticité. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais laissez-les. Donc, ouais, laissez-les. En fait, c'est ça. Et on vous parle d'ascension, hein. On vous parle d'ascension. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Bon, très bien. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Voyez, aujourd'hui, avec le retour de quelqu'un, peut-être vous avez eu peur un temps, vous avez eu besoin de vous cacher, etc. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Tiens. Si l'univers vous ramène cette personne, c'est que vous êtes en capacité de l'affronter. Alors, affronter quelqu'un ne veut pas dire ça part en cacahuète. Non,
Non, vous dites les choses, si en face de vous, vous avez une personne qui est dans le déni, qui veut pas reconnaître ses torts, ça dégage. Je veux dire, perdez pas de temps. Voilà, on perd pas d'énergie avec des gens qui ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Point à la ligne. Mais cette personne ne reviendra plus parce que là, elle va bien voir que vous voyez très clair. Voyez ? Donc, elle va comprendre que vous n'êtes plus manipulable. Elle va plus revenir vous enquiquiner après. Je vous assure. Donc, il est peut-être intéressant de se confronter à elle pour qu'elle voit qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Et si elle a pu vous manipuler avant, aujourd'hui, elle ne peut plus le faire. Ah ben, elle va plus revenir. Parce que ces personnes-là ne se nourrissent que de gens qu'elles peuvent manipuler. Pas des autres, hein, je vous assure. Pas des autres. Alors, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Voyez, avec cette carte, peut-être ce qu'on veut vous dire, c'est ce n'est pas parce que par le passé, vous avez vécu un ou des échecs dans une ou des situations, et peu importe laquelle, que la suite sera encore des échecs. Non. Il faut changer d'état d'esprit. Et se délester de ce qui a été. Voyez ? Donc c'est pour ça qu'il est important de changer sa façon de voir les choses, de changer d'angle de vue. Alors, non, celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oula, oui. Ah bah oui. Bon. Vous allez vous protéger. De toute façon. Vous allez vous protéger. Alors, bon, là, j'ai la carte de la sexualité. On n'est pas forcément sur du charnello. On peut être aussi sur tout ce qui est émotionnel. Vous allez vous protéger. Vous allez protéger votre esprit. Vous allez protéger votre âme. Vous allez protéger votre corps. Vous allez tout protéger. Hein. Sincèrement, moi, j'ai pas le sentiment. Et franchement, j'ai une victoire là-dessus. Donc, vous ne prenez pas la tête. Moi, ce que l'on me dit, c'est que vous allez réussir cette tentative-là. Hein, d'escroquerie. Vous allez réussir à dépasser ce truc-là. Alors après, attention. Hein, je ne pense pas qu'on me parle d'une personne perverse narcissique, d'accord ? Par contre, on parle vraiment d'une personne qui a des failles narcissiques. Oui, ça c'est clair. Hein, parce que dès lors qu'on est sur une personne qui essaie de vous écraser, parce qu'elle a vu, bien avant même que vous le voyez vous, hein, elle a vu votre potentiel. Mais comme elle veut pas se fouler la rate, hein, donc bah, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous mettre en concurrence avec d'autres personnes, elle va vous mentir, elle va vous trahir. Puis attention, elle va faire tout ça et faire en sorte que vous sachiez. Vous voyez, c'est là où il y a quand même une espèce de vice, de perversion tout de même. D'accord ? Pour vous anéantir et que vous ne réussissiez pas sa vie. Si elle-même est dans une vie de crotte, elle espère que vous aussi, vous allez être dans une vie de crotte, quoi. Bon. Excuse-moi. J'ai la carte de la trahison. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire, là ? Terminé. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi pour du pognon, hein. Ou quelqu'un qui vous a trahi pour piquer votre abondance. Vous voyez ? Eh oui. On est quand même sur quelqu'un qui vous observe. Ouais. Bon, de toute façon, vous, on vous parle d'abondance, hein. Alors, qu'est-ce que quoi ? Pour moi, vous avez beaucoup de clarté sur une situation. Peut-être vous avez été dans une forme d'adversité à un moment donné. Mais pour moi, c'est plus le cas. Hein. Alors, avec la clairvoyance... Est-ce que vous allez apprendre des choses ? C'est possible.
En tout cas, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une situation que vous mettez en échec, hein, et qui vous amène à la naissance. Alors, est-ce que parce que vous allez vraiment, cette fois, voir le vrai visage de quelqu'un que vous n'avez pas perçu avant, bah parce que vous étiez embrouillé dans votre tête, voyez? Bon, bah écoutez, on vous parle de liberté, hein. Bah vous savez, ça se trouve, vous allez vous dire, bah vous allez revoir quelqu'un et vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai glandé? Je pense que vous allez vraiment voir une personne telle qu'elle est vraiment. Vous allez descendre quelqu'un de son piédestal, quoi. Peut-être vous avez été dans une espèce d'idéalisation. Et là, vous allez voir la personne telle qu'elle est vraiment. Eh ben, ça va peut-être vous faire drôle, hein. Bon, on vous parle d'une liberté qui est retrouvée, d'une transformation en cours, hein. Alors, attendez. On vous parle d'espoir et d'aimer sans condition. Bon, écoutez, on vous parle d'une guérison, d'une réparation. Attendez, j'ai un bruit très bizarre. Nous ne sommes pas tout seuls. Très bien. Bon. On vous parle effectivement de guérison, de cicatrisation, de réparation. Raison pour laquelle on a l'amour sans condition. C'est-à-dire que par rapport à cette situation, donc vous êtes passé par beaucoup de phases, différents sentiments. Et finalement, j'ai l'impression que vous allez comprendre que cette situation a été une aide précieuse dans votre vie, même si elle vous a blessé, qu'elle vous a fait du mal, parce qu'elle vous a permis d'avoir des compréhensions sur vous, sur qui vous êtes. Donc il y a une forme d'amour inconditionnel vis-à-vis d'une personne. C'est pas fou, hein, ce que je vous dis. Parce que, effectivement, quand on est guéri, réparé, on comprend le pourquoi des personnes ont été dans notre vie. Et même celles qui nous ont blessés, fait du mal. On comprend les raisons pour lesquelles elles ont été dans notre vie. Hop là. Alors. Oula. On vous parle de haute trahison. On vous dit, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc, bon, effectivement, ce qu'on vous dit, la première haute trahison, bah, c'est celle de vous envers vous-même. Avant même que quelqu'un d'autre vous trahisse. Je veux dire, pourquoi on attire des situations de trahison? Bah, parce que on n'est pas soi-même. Et qu'on est en train, soi-même, de se trahir, de se mentir dans des situations. Et d'aller dans des situations qui ne correspondent pas du tout, qui ne correspondent pas du tout à nos valeurs. D'accord? Mais dès lors que vous êtes à votre bonne place, que vous allez avec des personnes en total alignement avec vous, bah, il n'y a plus de trahison. Voyez? On vous parle du vent, du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, c'est ce que je vous disais. Parce que vous savez, le fait de rester dans une espèce de haine, de vengeance, ça va pas vous aider du tout. Alors, moi, je trouve que c'est normal de ressentir ça au départ. Sauf qu'il faut pas y rester. Faut pas y rester. Parce que malheureusement, ça va vous empêcher d'avancer. Et vous allez rester bloqué dans quelque chose en lien avec le passé. Et ça va bloquer votre présent. Malheureusement, voyez ? Bon, ok, très bien. Et sinon? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire? Bon, puis je vais m'arrêter, hein.
instabilité, santé. Bon, alors écoutez, moi je vais vous dire. Vous êtes dans une phase où vous prenez de la distance avec tout ce qui vous rend instable. Voilà. C'est ce que je vous dis ces derniers temps. Vous choisissez votre paix intérieure. Les situations bizarres, cheloues, où ça vous met vos émotions dans un état exacerbé, c'est non. C'est non. Et voilà. Hop. Moi, j'ai l'impression que vous faites le choix de votre équilibre. D'accord? Et vous actez pour une séparation. Moi, c'est clair. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un revient peut-être dans le but d'essayer de nouveau de vous séduire. Moi, je pense que vous actez une séparation. Hein, et parce que vous faites justice à vous, déjà. Hein, d'accord? Vous rééquilibrez une situation qui n'a pas été équilibrée. Alors, bon. Moi, je pense que déjà, de base, vous faites des compromis avec vous-même, ou alors vous ne faites plus de compromis avec quelqu'un. Voilà, tout simplement, hein, c'est l'un ou l'autre, hein, d'accord? Vous faites des compromis avec vous-même, et peut-être que le fait de faire des compromis avec vous-même, c'est justement de ne pas faire de compromis avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de négociation, j'ai l'impression. C'est terminé, c'est acté, c'est mort chez mort. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire? Et puis, je vais m'arrêter là. On vous dit que vous êtes là incarné pour être heureux. Vous êtes là pour expérimenter. Vous êtes là pour vivre des expériences, pas pour vous faire du mal, pas pour vous blesser dans des situations. D'accord? Bon, écoutez, on vous parle d'une ouverture de conscience à venir et on vous parle de leader. Donc pour certains, vous avez un potentiel depuis toujours, mais parce que vous n'aviez pas confiance en vous, vous avez laissé les autres un peu vous manager. Or, vous êtes des managers nés. Voilà, c'est tout. Donc, on vous dit de mettre en avant ce côté-là, ce côté leader. Bon, écoutez, on parle d'une résurrection. Alors, voyez, on vous dit par contre que la nature de vos pensées est très importante. Voilà. Si vous pensez en permanence que vous êtes nul, que vous n'allez jamais y arriver, bah, malheureusement, effectivement, ça risque de se produire. Donc on vous dit changer la nature de vos pensées vis-à-vis de vous-même déjà. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent. Pas du tout. Donc extirpez-vous de cela. Voilà, ça c'est très important. Bon allez, j'en tire quelques-unes et c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? S'il vous plaît. Bon, allez, je vais m'arrêter là parce que franchement, c'est très joli. Alors, on vous parle d'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Et on vous parle d'enchantement. On vous dit, tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse tous et prenez bien soin de vous.